Bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vieille Ville. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu de caving quand même, hein, puisque j'ai un peu avancé. Bah, d'ailleurs, on va regarder tout de suite le petit montage de l'avancement, encore avec un choix de musique particulièrement épique, et on se retrouve juste après ça. C'était une histoire de pommes un jour, et puis il y avait des pommes, et puis les pommes, et aussi quelques pommes, et pourquoi pas des pommes. Enfin voilà quoi, il y a des petits vitoyens qui ont planté des pommes, et plein de pommes, et comme ça ils étaient tout paumés. Les héros en profitaient pour visiter l'intégralité des caves le temps que les vitoyens placent leurs pommes. Parce que placer une pomme, c'est un travail qui est très difficile. Il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup d'habitude et beaucoup de doigté. Puis sinon, vous, ça va bien là ? Hey, toi, je t'ai vu, t'as fait un fast-forward. Ceci n'est pas un message caché. Là, c'est fou, c'est vraiment la première fois que je regarde quasiment l'intégralité d'un accéléré pour dire n'importe quoi pendant l'accéléré. C'est fou, d'habitude je regarde jamais ça, je fais juste que coller mes trucs et les mettre à lancer. Ouais, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Maintenant la question qui tue, qu'est-ce que vous pensez du choix de musique de cette fois-ci? C'est vrai que c'était pas de la chanson avec parole. Mais celui de la dernière fois était quand même particulièrement drôle, et pour ceux qui le cherchent, vous n'avez qu'à regarder sur dogmazic.net, vous cherchez Prince Ringard, la salsa, et vous devriez la trouver. Et voilà, on arrive à la petite fin du petit montage, avec la perte des vitoyens, la perte des hauts, et surtout la découverte de plein de nouvelles terres. Et donc voilà, maintenant qu'on a vu ce petit montage, vous avez vu que nous avons perdu quelques petits vitoyens dans la bataille, quelques héros, tout ça, mais bon, c'est pas bien grave. Et ça nous a permis quand même de explorationner un peu plus de tout ce bazar de caves et de grottes et de machins et de bidules et de choses.
Et je pense que je m'étais trompé en disant qu'on allait sûrement en découvrir qu'une petite partie. Bon, là, forcément, hein, c'est bloqué, mais ici, ça peut encore énormément s'étendre vers le bas, là aussi. Donc, ce côté-là, ça s'est bloqué, de toute manière, il n'y a pas la place. Et là, eh bien, ça peut encore recouvrir toute cette partie de la carte, et je dirais, sans trop de problèmes. Donc, aussi, j'ai fait, vous avez vu dans le montage, j'ai fait quelques pommiers de plus. Quelques, hein. Mais vraiment juste quelques. Et je cuis des tartes aux pommes pour les vitoyens maintenant. Parce que c'est tellement plus bien. Non, je vais laisser à 13 plutôt. Non, mais pas ici. Hop, hop. C'est tellement plus mieux bien, etc. Tout ça de faire de la tarte aux pommes. Et donc comme ça va bien avancer. Ici ça avance. Ici, bah, c'est en train d'avancer, hein. Tiens, il y a quoi ici? Pourquoi ça change de... Pourquoi j'ai l'impression que ça change de couleur sur la minimap ici? Bon. C'est pas bien grave. Non, ça c'est du gravier, ça m'intéresse pas. Ça c'est du gravier, ça m'intéresse pas non plus. Ah bah non, ici en fait c'est fini, c'est terminé, poche. Donc là, il n'y a plus qu'à explorer ici. Ah bah là, forcément, ça continue par là puisque je viens de le voir totalement apparaître. Ah oui, on a aussi un nain. Ligulf, fils de Thibaut. Bienvenue, Ligu, fils de Thibaut. Nain niveau 16. Ah, ça c'est très bien. Ça, ouais. Super comme quoi, mais vraiment, genre, hyper utile, mais totalement grave indispensable. Donc, ici, il y a sûrement un truc qui rejoint ça là. Ici, une salle qui part par ici. Ah, bah ici, tiens, j'avais pas vu. Bah, ça continue aussi. Sympa. Et donc, on va jamais finir d'explorationner tout ça. Ça va être long et douloureux, et on va perdre un nombre faramineux de vitoyens dans la bataille, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire aujourd'hui, surtout, c'est qu'on va s'intéresser. Ma sauce, c'est ici. On va s'intéresser à ici, et on va faire ça. On va percer un petit trou ici. On va attendre 7 milliards d'années que. Hop! Transparent. Attendre 7 milliards d'années qu'un vitoyen se décide à venir perstationner tout ça. Et ça, on... Allez, plus vite, plus vite. Ah bah parfait, vous voyez cette extraordinaire timing et tout ça. Et on tombe nickel là où il faut. Donc après, ils vont venir sûrement comme ça, comme ça, comme ça, vers ici. Donc on va commencer à piéger tout ça. Alors déjà on va les faire aller lentement, saigner, se prendre ça, donc pareil ici, lentement, saigner, se prendre ça, puis s'en prendre un deuxième, puis un troisième, puis re-saigner et puis re-ralentir. Hop, du grid gel, j'en ai largement assez. Re-ralentir et puis après re-ça. Puis ça, et on re-ralentit un petit coup, et un petit coup, et un petit coup, et on saigne. Là, voilà, tout ici on saigne. Puis après, on se prend un rocher dans la tronche, on ralentit, on saigne ici, on se prend un rocher là, 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 et on saigne. Bon, c'était pas là que je voulais le mettre. Toc, et j'ai dit on saigne. Parfait. Parfait, parfait. Ça va occuper un peu les vitoyens à faire quelque chose. Là, j'arrive pas à boucher les trous et ça m'exaspère qu'il y ait des trous là-dedans. Vous m'avez vu à plusieurs moments essayer de boucher ces trous. Bon, c'est sûrement une plante qui pousse. Voilà. Donc ça y est, bon là, il y a tout le monde qui mange. C'est open bouffe. Et qu'est-ce qu'il mange? Il mange surtout du pain, apparemment. Parce qu'au final, il n'investisse pas du tout cette boulangerie. Il n'utilise que celle-là. Et c'est pas top. Bah, tiens, ce qu'on va faire, on va faire un truc intelligent. Supprimer la bakery. Ah, ça va être embêtant, il faut que je les supprime un par un. Non, en fait, en même temps, on va essayer de les laisser comme ça.
Donc du coup là j'ai 4 moulins, si je vais étendre ça il faut que j'en supprime 3, donc il faut qu'on s'occupe du siège. J'ai pas envie de les laisser arriver, même si je pense que mes vitoyens peuvent en prendre soin assez rapidement. Bouchez vos oreilles, ça va vous déchirer la tête. Attention, voilà, désolé. J'ai l'impression que les sons s'additionnent à chaque fois. Donc, je disais, bouger moulin. Moulin. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, ça va être pratique comme ça. Oui, je vais essayer d'agrandir cette boulangerie-là. Je remercie Daisy Tortue d'avoir trouvé un super nom pour toutes vous tous, la communauté qui me suivait, l'avant-garde. Je dois dire que j'aime vraiment beaucoup l'idée. Donc bravo à toi Daisy Tortue, tu as gagné le concours pas officiel ni rien de tout ça. Je dois bien dire que toutes les autres idées étaient aussi extrêmement drôles. Et c'est celle-ci que j'ai décidé de plus ou moins retenir pour tout ça. Donc ça il manque tout, ça il manque tout, ça il manque... Non, il manque du bois ici, il manque un peu de cailloux ici, il manque du bois aussi. Et forcément avec tous les pièges que j'ai demandé, ça demande un peu... Ah j'arrive plus à les retrouver, voilà. Ça demande quand même beaucoup de bois. Et vu qu'au final le bois n'est plus planté, c'est pas très facile. CQ the Wolf died. Ouais, mais est-ce que c'était un de mes héros? CQ the Wolf. Est-ce que c'était pas le pet qu'aurait pu éventuellement invoquer un de ceux-là, puisque je ne vois pas de rien du tout. Ou au moins que c'est non, un loup qui soit descendu là-dedans, non, je sais pas. J'aurais dû faire plus attention à ce qu'il se passait par chez mon sous-sol. Là, ils sont tous contents ici. Ça, ils sont tous contents. Ça, c'est plein, ça, c'est plein. Ça, c'est plein, ça, c'est plein. Ça, c'est pas plein, ça, c'est pas plein. Les colocs ne sont pas là. Son of machin, Robin le bourguignon. Et dans tout ça, on commence à galérer de minerais et de cailloux. Non, de cailloux, ça va encore très bien. De gel d'os et tout ça, ça va très bien. Donc, pour le moment, on va laisser ça tranquille. Là où il faut. Ah oui, c'est ça. Ça continue vraiment, vraiment beaucoup vers le haut, là. Donc ça voudrait dire qu'ils n'ont pas fini de voir tout ce côté-ci, ce côté-là. Donc ce côté-ci est tout terminé. Ok, donc il reste ce côté-ci et ce côté-là à explorationner avant que, descende à l'étage 7. Plus beaucoup d'étages avant d'arriver à l'étage final numéro 9. Vraiment plus beaucoup d'étages. On devrait relativement prochainement, dans pas si longtemps que ça éventuellement, avant qu'on atteigne l'épisode 7000, réussir à descendre et à détruire tous les gens d'en dessous de dessous. Ça serait bien aussi. Et là, nous avons Andrur, Avdrar, Boissel, niveau 22. C'est quand même... plutôt pas si pire pour ça. Ici, Jocelyne, niveau 19. 19, c'est pas mal, c'est pas mal. Puis les autres, niveau pas mal non plus quand même. Hop, Direwolf died. Ok, Avdrur. Ah, si, Avdrur, niveau 23. Tout à l'heure, je crois qu'il était niveau 22. Donc... il en a profité pour prendre un petit niveau, juste pour me faire mentir quand on retourne sur sa petite tête. Donc eux, ils sont toujours en méga ultra gêne énorme galère de bois.
Donc on retire ce 1000, on retire ce 1000, on retire ce 1000, on retire ce mur. Ouais, bah on retire la fenêtre. On retire la porte, puis le mur aussi. Et on fait 1-1-1, agrandir la bakery. C'est vrai que c'est complètement pas très logique et qu'il faut tout prendre pour l'agrandir. On va l'agrandir jusque là. Et je ne vais jamais pouvoir mettre ce que je veux mettre dedans parce qu'ils sont en train de faire des choses et des machins partout. Bougez ces pains, s'il vous plaît. On va diminuer la production de farine, par contre, là. 10. On va voir s'il y a une famine. Eh, il ne reste plus beaucoup de nourriture, quand même. Ah ouais, ils construisent quand même vite, là. Ah ouais. C'est impressionnant. Bon, par contre, ça serait bien parfait, parfait, parfait. On met un four à pain ici. Bien sûr, quelqu'un va poser un bout de pain à la place. Non, même pas, ça c'est génial. Et retirer... Ah bah oui, forcément qu'ils vont vite. Mais c'est bien sûr, j'ai tout qui est juste à côté. Ils ont juste à le prendre et à le poser. Retirez ce bout de pain, s'il vous plaît. Bout de pain, au revoir. Dégage. Ah, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi lent. On va turn-offer ces 1000 pour les turn-onner un peu plus tard après. Voilà, ça explorationne par ici. Ici, c'est terminationné. Il reste juste un petit truc ici, là. Donc ça continue vers le bas, ici. Donc ça, c'est terminé. Ça, il y a une corne qui continue. Ça continue. Bon. Il reste encore pas mal de choses à faire sur cet étage-là. Bon, rangez tout, là. Ne dites pas que vous avez tout mangé. Non, merci. J'ai eu peur un instant. Merci d'avoir rangé ceci. Donc, un petit four à pain, pizza et tout ça. Hop, on prend un four. On pose le four. Et voilà. Et donc maintenant, on va monitorer un petit peu pour voir s'ils utilisent tout ce que je leur ai mis à disposition. Voilà, il y a quoi? Il y a des roastés. Ah bah oui, c'est vrai, parce que j'avais tué pas mal de vaches tout à l'heure. Donc on va regarder combien de roastés on a. 15. On va garder ça, même s'ils le font jamais. Donc on a 15 roastés. Donc on peut faire des steaks. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, voilà. 15. Voilà. Donc, toi tu crèves. Ah bah finalement, c'est vachement plus grand que ce que j'avais prévu au début, vu comment c'était petit au début de ce que j'ai vu. C'est ça, ils peuvent bien le faire, mon steak cuit, oui. Ils ont des fours, ils font du steak au four. C'est sûrement très bon. J'ai jamais essayé de faire le steak au four, pour ainsi dire. Mais apparemment, ils le font et ça a l'air d'être pratique. Donc, là, voilà. Bon, il faudra que je refasse le mur à un moment ou à un autre. Bien entendu, je ne vais jamais retrouver la couleur du mur. On va dire que c'est celui-ci. Hop. Donc, il va falloir une porte ici, une porte là. Une porte là. Donc, une porte ici, une porte là, une porte là. Alors, eux, ils sont en train de tout déchirer ici. Bah, toi, déchire-lui, hein. Ouais, bah, voilà, quand même. T'es devant ta tronche. Bon. Bah, c'est bien, tout ça. Je pense qu'on va se laisser baigner par ici. Et on va se dire la prochaine fois pour bien finir ce niveau-ci et commencer ce niveau-là. Bonne journée, bonne soirée,
comme d'habitude, hein, mettez donc ce qui correspond à... Ah, ça se connecte, je suis très bon. Mettez donc ce qui correspond au moment de la journée où vous êtes, et à très bientôt pour un épisode de la Vénile. Salut.